Non, mais c'est une grosse. Vas-y. Tu l'as retourné? Non. Il y a un code là. Comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va très très bien, je sors de la douche à l'instant, je suis, enfin Manon il vient de sortir à l'instant le prochain courrier et c'est elle qui accueille Carl. Voilà, je sortais de la douche, je voyais Carl dans mon salon, super. Ça c'est pas de la bave, c'est de l'eau, voilà, c'est de l'eau, je tiens à le dire. Nouvelle journée, nouveau vlog, nouvelle partie, troisième jour je crois, quatrième jour plutôt, quatrième jour, c'est parti. Bonjour. Ça va? Ça va? Ouais. Là où on crée des relations avec les voisins. On est toujours près des gens, tu vois. T'es collé aux gens. Voilà. Bon, comment allez-vous aujourd'hui? Il fait super beau à Lyon. Un truc qui me fait chier, c'est que je voulais faire des plans avec ma GoPro aujourd'hui, sauf que je trouve pas la carte mémoire. J'ai une petite carte mémoire qui est grande comme ça. Et du coup, je ne trouve rien. Enfin, j'ai pas trouvé. Du coup, aujourd'hui, on va se contenter avec la G7X. On verra plus tard avec la GoPro pour avoir des plans un petit peu différents. Bref, aujourd'hui, très belle journée. On prend un nouveau vlog. Nouvelle journée. J'espère que vous êtes chauds parce qu'il y a des choses à faire aujourd'hui. Je le sais d'avance, je le sais, et oui. Et impossible de voir si vous êtes à la table avec le soleil. Ah bon? Ah si, tu vois normalement. C'est bon, c'est bon. Oh, belle. C'est Tumblr tout ça? Forcément, parce que moi je suis en 30 fps. Ça c'est très très Tumblr, merci beaucoup. Oh, belle, hein? Joli travail. Et ta salade toi? Non, tu sais pas, t'as des balades. Eh, touche pas. Touche pas ma frite. Elle m'a lancé un défi, mais je me suis dit que je me raserais la barbe. J'aurai 100 000 abonnés. Donc c'est à dire dans 2-3 ans. 80 000? Ouais, 83, je sais pas. 83, ouais. Il est chiant, toujours à la fin de vidéo derrière moi, il est chiant. Pourquoi tu fais ça? Je sais pas. Voilà. Bref. Bon, ce soir, enfin aujourd'hui, je sais pas si vous vous rappelez de ce blog là, j'en avais parlé brièvement, j'ai dit qu'en gros on a fait un rendez-vous. Aujourd'hui ça se concrétise, en fait c'est très con. En fait on fait quoi aujourd'hui? On va être enfermé dans une salle et on va avoir une heure pour sortir. En gros, on fait un escape game. Voilà. Sur le goût, ça dit pas un truc. Ah, c'est vrai en plus. C'est le même, hein? De quoi? C'est le goût, ça dit un truc. Un truc qui me rappelle vaguement quelque chose. De type secret. Ah, ouais, bon. Juste ici, au Lowe's qui vient de Lyon. Et donc, du coup, ça vient d'ouvrir. Et l'autre jour, quand on a vu ça sur Facebook, bah, j'ai directement contacté ici pour savoir si on peut venir à 6 et au plus vite. Pour ça, parce qu'on adore tout ce qui est un petit peu, tout ce qu'on peut faire à Lyon, on fait entre potes. Et donc du coup, écoutez, là, on se retrouve ici et... Et ben, ça annonce la couleur, juste voilà. Je vous en dis pas plus, mais il y a un truc spécial avec ça. Brièvement, je vous explique comment ça se passait. Ça va être un petit peu, on va dire, chelou en termes de montage parce que, en fait, on peut pas tout vous montrer parce qu'il faut garder une certaine, on va dire. Donc, du coup, pour vous expliquer, il y a trois salles. Une salle qui, en gros, on est demandé par la FBI pour cambrioler l'appartement d'un riche homme d'affaires américain. Donc, du coup, il faut trouver un coffre-fort, ouvrir un coffre-fort. Il y a des lingots d'or à trouver, bref, il y a tout plein de trucs à trouver pour sortir de la salle. La seconde, c'est qu'on est demandé par je sais plus quel organisme, genre FBI, un truc comme ça, pour désamorcer une bombe. Et la dernière, grossièrement, en fait, c'est la pire, on va dire, c'est vivre ou mourir, c'est un petit peu sur le thème de saut. Et on commence dans cette jeu, on est attaché au mur, enchaîné, et on a une cagoule sur la tête, genre on a les bandé, il faut trouver moyen de se retirer de tout ça, et ensuite essayer de sortir de la salle, en moins d'une heure. Donc bon, on sera deux équipes de base pour les petites salles, on va dire, on sera deux équipes filles-garçons, et pour la dernière de saut, on sera les six tous ensemble. Ça risque d'être drôle, bref, c'est parti. J'arrive même pas à faire une porte. Par la
gueule, j'adore ça. Je te fous des vents. Fous-moi des vents, fous-moi la gueule. Je te fous des vents. Oh oui. C'était la chandelle. Ouais, c'est la chandelle. Bien, chandelier. J'adore ça. Les gars, il y a un truc, c'est que chacun, quand on fait une salle, on est équipé pour. Et je crois qu'on est. On est bien équipé pour le coup là. Je ressemble à que dalle. C'est fabuleux, je ressemble à une merde. Voilà. Vous êtes une équipe de voleurs d'élite par la mafia russe pour cambrioler l'appartement d'un riche homme d'affaires américain. D'accord. Donc vous avez une heure pour pénétrer cet appartement, pour trouver la salle des coffres, ouvrir tous ces coffres forts et dérober une liste d'objets bien précis. Vous avez 10 lingots d'or à sortir, pas à sortir de l'appartement bien sûr à la fin, c'est pour ça que vous avez des sacs, 4 rubis, 4 diamants, une liasse de billets de 500 euros et une liasse de billets de dollars. Je vais pas trop vous montrer, mais là il faut ouvrir plein de choses. C'est pas forcément très très grand, je sais pas où sont tous les coffres, mais il nous reste 59 minutes, c'est parti. Génial. Je vous montre pas, on a ouvert la première porte, il y avait un code ici à trouver. Il y a tout plein de codes, j'ai pas trouvé le bon. Les gars, deuxième soir. C'est ouf. Et là maintenant, on a tous les coffres, je vous montre pas la salle, il y a tous les coffres. Il y en a trois. Okay. Maintenant, il y a trois codes à trouver pour essayer de trouver tout ce qu'il y a là-dedans. Donc, abusé. On est riche. J'ai trouvé le premier. Le premier, le code, c'est pas facile à trouver. Après le coffre fait, il en reste deux. Ah, c'est ouf. Plus qu'un coffre. Dépêchez-vous, putain, le dernier code. Bon, on a réussi à trouver la porte, mais il nous reste un coffre. C'est ça, les gars. Vas-y. Il nous reste 18 minutes. Ah, bon les gars, vous en pensez quoi? C'est ouf. C'est ouf. C'est vraiment ouf pour le coup. Wow. Ben voilà. Hey, les gars, je suis trop chaud là. Hey, j'ai en bas de carrière. J'ai une tête décapote comme ça. Oh là, une tête décapote. Une heure pour rentrer dans la planque et accomplir la mission suivante. Dans un premier temps, il va falloir trouver quel pays est visé par les prochains attentats, quelles sont les trois prochaines villes et surtout, l'appartement a été piégé. Donc, okay. Devoir désamorcer la bombe. Pour du coup sauver le monde, non pas à titre posthume, mais en restant en vie. Oh putain! Ah, c'est chelou! Wow. Alors les gars, wow. Je vais vous expliquer un truc. Okay. On va venir me récupérer, on va me poser. Et vraiment chez. C'est bon, c'est à moi? C'est à toi, c'est à moi. Ok, d'accord. On parle bien de banana? Ouais. La clé, elle est sur vos chaînes. Wouah! Oh putain, mais regarde. Oh, comme ça fait baller. Non, mais c'est une grosse. Vas-y. Tu m'as retourné? Non, il y a un code là. Il y a marqué un truc là. Allez. Je vais retourner. Viens dans la. Putain, si tu veux te poupée. J'ai trop aller. Si vous venez notre part, vous aurez une personne. Oh, bon, j'ai un peu moins filmé à la fin parce que ben on est fini. On a fini en à peu près 32 minutes de 1 heure. Donc on n'a pas été très très mauvais. Ceci dit, je vous passerai plus tard. On a un code de réduction si vous venez de notre part en fait. Quand vous réservez, vous envoyez un mail, vous appelez de notre part. Vous venez, ouais. Comme quoi vous venez de la part de Jésus par contre, voilà, de Thomas. Donc du coup si vous venez en groupe, à partir de 3, c'est à partir de 3 du coup, vous avez une personne en moins. Non. Une personne de moins. Arrête. Si. Putain, c'est génial. C'est génial. C'est chiant. Acting non studio. Bref voilà, donc du coup c'est-à-dire que si vous venez, vous venez à 3, vous payez pour 2 si vous venez de ma part. Voilà. Chim. Santé. Santé, hein, à cette belle journée. Chim. C'est chiant. Bon. Allez.
Salut, on avec Manon. Ça, c'est la revoir de vlog. C'est la revoir de vlog, ça. Non, mais rends-moi ma meuf, s'il te plaît. Et si. Allez, ciao, bis. Je calibre simplement deux petites secondes. Donc du coup, brièvement, si vous savez pas ce que c'est la fête des lumières, c'est ça en fait. C'est vraiment pour le coup, c'est d'illuminer les façades dans tout Lyon. Et surtout celle-ci, la place Théon, qui est vraiment très très grande. Donc là, vous en faites pas en fait, c'est plus un calibrage en fait. Bon, ceci dit, j'espère que ça vous a plu cette journée. En tout cas, nous, on a vraiment 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 kiffé parce que c'est un truc qu'on a jamais fait, tout notre groupe, on a jamais essayé une seule fois. Et c'était une grande première, et putain, qu'est-ce que c'est cool. Et bon, du coup, ces trois salles, c'était vraiment cool. Ceci dit, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on peut vous proposer un petit code de réduction, enfin, un petit code, un bon code de réduction qui vous permet, imaginons par exemple, vous allez à 6, de payer en fait le prix de 5 personnes, voilà, une personne en moins, et à partir de 3 personnes. Voilà, on coupe, s'il est en couple à 2, ça marche pas, c'est à partir de 3 personnes. Je vais mettre juste ici, voilà. Le code squad, voilà, je suis un petit peu, on va dire, je sais pas, perdu. Bref, sur ce, je vous laisse, à demain. Et ouais, non, ouais, voilà, non.